Comment? C'est comment, ça l'était? Voilà, c'est le Warman du terre à terre. Enfant du Marécage, c'est ça. C'est quoi, là? Joueur, ce sujet est vraiment compliqué. C'est un sujet qui m'a un peu interpellé parce que... Les gars, écoutez, je voulais aller me produire. Oui, ce matin, je voulais être... vous connaissez, je voulais être frère, moi. Non, c'est un sujet sérieux. Je vais aller comme un gars de quartier, comme Carrefour, comme les Neyman. Man, regardez un sujet pareil. Le gars a 32 ans. Il a rencontré fils sur ma part depuis 5 mois. La fille a 27 ans. Ils s'entendent bien. Apparemment, la fille voulait déménager. Le gars a aidé la fille, mis 200 euros. Il a participé, tout ça. Il voulait aussi. Il a eu un problème de voiture qui était en panne. Il voulait acheter une voiture par rapport à son travail. Une voiture de 8000 euros. Il avait 5000 euros à peu près. Il voulait 2500. La fille dit non. Elle a ses projets. Elle ne veut pas l'aider. Elle a donné 1000 euros. Le gars a refusé. Elle vient d'expliquer. D'abord, commençons. Laissez, s'il vous plaît. Quand vous venez donner un sujet sur la page du Wama, c'est la page la plus vue des Camerounais. La page, vous voyez, c'est la page mondialement dans toutes les communautés africaines. Même les Ivoiriens, Maliens, Sénégalais, ils sont là. Quand vous mettez là, sachez que tout le monde voit et on va vous répondre. Et quand vous dites que le gars est sur ma page, sachez qu'il va rebondir. C'est un fait. Quand vous venez dire la vérité, parce que dans ton sujet, ma soeur, tu as parlé comme si le gars était un peu gigolo. C'est pas bien beau. Quand quelqu'un dit qu'il t'attend à mes besoins, ya! Tu viens dire qu'un gars avec toi depuis, il t'a aidé 1200 euros. Tu n'expliques pas qu'il a le meuble, on connaît les meubles ici, qu'il a participé à ton transport, qu'il t'a déposé à ton travail. Mais il connaît que tu devais gagner de l'argent et sa voiture tombe en panne. Une voiture de 8000 euros, tu te permets de lui dire, prends pour toi de 6000 euros. C'est pas à toi de lui dire ça. Il t'a demandé, aide-moi, tu peux l'aider, aide le sans ça. Attends, si tu venais dire, voilà 2000 euros par exemple, tu sais bien qu'il ne peut pas fuir. Tu sais bien que ce n'est pas un bandit. Parce que quand j'ai lu dans le sujet, les gars, il y a une partie qui m'a wanda. Parce que quand la fille a dit qu'il y a eu la prise en charge, c'est le gars qui me dit qu'il y a la prise en charge, j'ai mis la main sur la tête. Entre parenthèses, de nos jours en Belgique, de plus en plus d'étudiants souffrent pour le PEC. Tout le monde connaît. Moi-même, je suis envahi par des étudiants qui me demandent tous les jours, grand frère, dans la rue, dans le train, grand frère. Les étudiants souffrent. Les étudiants sont en train de lire en Belgique. La fille a un jour qui a signé le PEC, qui est tendu à la tuer, ma soeur, gratuitement. Ça veut dire que le gars gagne plus de 2 800 euros. Parce qu'on connaît la règle. Je me suis renseigné. Il faut gagner plus de 2 800 euros. Et pareil, il faut avoir même des liens. Je ne sais pas quoi le gars a fait pour signer. Tu osais dire qui t'a prêté 3 000 euros, tu les dis que tu as un projet de quoi? Le vrai projet, c'est le PEC. Combien de filles souffrent ici pour le PEC? On frappe! Les étudiants lisent le mamie pisse en Belgique. La fille vient dire, sans dire la partie la plus importante. Tu viens faire la victime, que tes copines t'encouragent. J'ai vu tes copines t'encourager, c'est le même mot. Oh, il faut les laisser tomber. Tu vas trouver bon. Mais ça, le vol est fini, mais tu vois, Mimba. On a dit, man, nous allons faire mes jours. Là, nous avons tes responsabilités. Abo Fankoni, Abo Fazamouni, Abo Wili. Manjum de nos jours, manjum comme un chou, un de. L'argent de la femme, c'est pour elle. L'argent de l'homme, c'est pour elle. Ami, ballon, Lyon, c'est dans ta brise, ballon, c'est dans le bâton, ballon Côte d'Ivoire, quel coup d'Afrique, ballon au sol. On va aller en Côte d'Ivoire, même si c'est dans l'eau, on va porter la canne. Mais vous venez dire que l'argent de la femme, c'est pour elle, mon frère, joueur, petit Cora. Mide, ma soeur, à partir de la prise en charge, c'est un homme responsable. Il l'a fait par moi, en 6 mois. Tu n'avais même plus rien à dire. Il t'a demandé même 3 000 euros. Tu as l'argent. Quand une femme est amoureuse, elle n'est pas chiche. L'amour se traduit par les actes. Quand une femme est amoureuse, elle donne. Le gars va fuir quoi? Il t'a même piégé. C'est un piège. Et vous savez pourquoi le gars l'a piégé? À mon avis, quand la fille a gagné l'argent, elle n'a pas fait ça. On connaît certaines filles. Elle a gagné l'argent. Elle n'a plus rien dit. Elle a commencé à faire. Le gars, il veut la piéger. Il t'a piégé. C'est normal. Qui ne peut pas vivre avec une femme qui n'est pas généreuse? Une femme amoureuse est généreuse. Comment tu peux parler de gigolo? Alors que tu vois le gars, il a les possibilités sur toi. Ma soeur, tu as fait une erreur fondamentale. Le gars a raison d'être fâché. Le gars a raison d'être déçu. Comment peut-on être avec une femme qui n'est pas généreuse? Parce qu'il y a des filles ici dehors qui se plaignent ici que les hommes sont chiches. Un homme qui est chiche avec une femme n'a pas mot. Parce qu'un homme qui est chiche avec une femme donne à une autre. Si tu ne donnes pas Aurélie, tu donnes à Stéphanie. Tu ne donnes pas Stéphanie, tu donnes à Paola, tu donnes à Manuela. On le sait. Une femme ne tolère pas un homme chiche. Une femme ne peut pas être amoureuse. Tu peux avoir une fille qui me le dit. J'aime le gars, il est chiche. Son amour part. Joueur, son amour go. On le sait. Vous croyez que l'homme aussi avec toi, il te parle de son projet. Tu fais comme ça. Tu viens dire, voilà 1000 euros, j'ai un projet. Mais projet de quoi, ma soeur? Il t'a essayé une prise en charge. Le PEC, c'est la guerre de nos jours. Tout le monde le sait, c'est la guerre mondiale. Erreur fatale. Donc, je peux seulement dire ceci. Malgré tout cela, ma soeur, fais un examen sur toi-même. Et à ces garçons, petit, écoute-moi bien. Je sais que tu es en train de vouloir basculer. Easy. Rien que la fille que tu as dit, tu vas l'annuler. La partie, n'annule pas ça. Là, on vit dans un moment compliqué. C'est la mappée. Tu fais un jour par générosité, tu ne peux pas l'annuler. On va noquer son carolo. Donc laisse tomber. Wama t'encourage. Ne fais pas ça, petit. Écoute-moi bien sûr, Waman. Hein. Ne m'amuse pas. N'annule pas ça. N'écoute pas parce qu'il voit les gars sont un peu choués, les gars sont énervés. Les gars disent non, il ne faut pas annuler. Laisse-toi d'abord la fin d'annulation. Elle a laissé son chaos parce que tu connais le PEC. Si tu annules, c'est la mamie. Pis, même si tu pars à la commune déclarer, c'est moi que tu as annulé. Même si ce n'est pas possible, on va l'annuler. Et elle va se trouver dans la rue. Donc, ce que je peux te conseiller, elle n'a qu'une personne. Oui, elle a été chiche, n'a pas participé. Mais toute relation débat toujours très mauvais. Hein. Asseyez-vous, vous en parlez.
Pour moi, il y a encore moins d'enjeux. Pour moi, tu as fait un PQ de rappel. La gars a compris. Donc, asseyez-vous, vous en parlez. S'il y a moyen, vous pouvez avancer ensemble. Donc, n'annule pas. Et asseyez-vous, parlez. Et à ma soeur, fais un examen. L'argent de la femme, c'est pour elle quand elle est célibataire. Tu avais un homme, tu dois participer. Nous ne sommes pas des enfants des folles. Quand tu avais un homme, l'amour d'une femme, ce n'est pas écarter tes pieds. Quand Jean-Claude Vanda fait le bassin comme ça, vas-y, vas-y. Non, non, l'amour d'une femme, c'est de mettre l'argent à terre quand l'homme est à terre. Quand l'homme est chiche, on peut comprendre. Quand l'homme est généreux, mets à terre. Moi-même, ouais. Je ne peux pas t'aider une femme qui va jeûner, même pas, c'est une sorcière. L'amour d'une femme, ce n'est pas. Ouais, man, j'ai été, fais-moi bisous. Elle fiche quand. Sois l'argent. Mbamboum. Ah, la maison, mais elle a quoi, on fait ma maison, mais elle a son miam, c'est. Sois l'argent. Tout le monde aime l'argent. Donc, il faut montrer ce l'amour par argent. C'est ça. Donc, vous deux, pour moi, les gars, petit frère, laisse le côté plus d'achat là. N'annule pas. N'annule pas où. Tu annules, tu es lâche. Ça ne me plaît pas de tout annuler. Parce que c'est mauvais, man. Tu annules, elle va faire comment? Laisse d'abord, parlez-en. De toute façon, je vous encourage de parler. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre ensemble. Ouvrez une porte de sortie. Donc, essayez de voir si ça peut marcher. Et vous parlez. Elle a fait une erreur. Elle ne t'a pas trompé. Elle ne t'a pas manqué d'espoir. Si tu avais que c'est aussi parce qu'elle a des besoins. Mais désormais, petit frère, évite aussi de mettre tout l'argent au début de la relation, les gars. Ça, c'est un conseil. On peut aimer sa copine, on peut aimer Amazon, mais évitez de mettre trop l'argent au début d'une relation. À un moment, vous ne vivez pas l'argent. Et ça crée à ce qu'il n'y a pas d'affinité. L'argent vous rend tellement crispé. Évitez de mettre l'argent. On ne dit pas de parce que c'est une femme. Tu as vu un gars, essaie d'aller doucement. Arrêtez de prendre aussi toutes les choses en charge. À un moment, ça crée une sorte de j'ai fait ça, il faut aussi faire ça. Appelez aussi à aller doucement. Mes soeurs, montrez aussi votre générosité. Sinon, l'heure sera lue. Chacun va bouffer sa tontine. All people go chop nyangi. On n'a rien, non? C'est mon avis. Donc, je vous souhaite à tous les deux jeunes d'être généreux et généreuses, d'être ensemble. L'amour, ce sont des actes. C'est pour ça que je ne crois pas aux trucs qui disent que l'amour, c'est des mots. Je t'aime, moi non plus. Quand ils parlent, on dit que le moi non plus, tout le monde peut le dire. Tout le monde peut s'asseoir. Je t'aime, je t'adore, mon cœur. Mais quand il faut sortir le mbourou, c'est là où les yeux sortent comme le